touche pas à mon vévère, autrement dit à l'espace naturel et agricole compris entre Décines et Chassieux. Voilà le mot d'ordre pour ces manifestants ce samedi. Dans le collimateur, le projet de la voie nouvelle devant relier Eurexpo au site du Montoux, lieu d'implantation de l'OL Land. On sait que cette voie va faire 5 km de long et qu'elle va traverser 60 parcelles agricoles. 60 parcelles agricoles qui sont morcelées, donc quelques-unes ne sont complètement inexploitables. Aujourd'hui, on manque de terres agricoles autour des grandes villes. Et aujourd'hui, sur Décines et Chassieux, on va en prendre plus de 100 hectares. Et à des prix vraiment ridicules, on propose entre 70 et 1 euro le mètre carré. Exemple, dans cette AMAP située sur le tracé, le couple d'exploitants installé depuis 1986 serait indemnisé 7 euros le mètre carré. De quoi vivre 2 ans. Si le projet se concrétise, il devrait tout arrêter. Mon exploitation serait complètement démantelée. En fin de compte, on me prend la moitié de mes abris froids, mes tunnels, où je cultive la majorité de mes légumes toute l'année. Et le problème, c'est que ce qu'on me laisse, ça ne me suffit pas à tirer un revenu décent de mon travail. Les associations tentent de peser dans la balance avant le rendu des enquêtes publiques courant octobre. Elles iront en justice si les avis qui en découlent se révèlent positifs.